Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avant que vous en ayez une plus grande pour ma prochaine création qui est une commode qui sera un petit peu différente de celle que j'ai faite précédemment parce que là ce sera une commode, la personne me l'a demandé pour ranger toutes ses encres de scrapbooking. Donc ce sera une commode où il n'y aura pas de séparation et où les tiroirs n'auront pas les mêmes tailles. Et il y aura, je crois, alors que je me rappelle, un tiroir ou deux en plus. Voilà. Et elle voulait une commode qui rentre dans un emplacement précis chez elle. Voilà. Mais bon, donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, comme le titre, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je viens vous parler 5 minutes. 5. Comme ça. Je vous ai marqué Hall géant des beaux-arts parce que bien sûr j'ai dû commander du carton pour faire ma commande et la commande précédente prochaine. Et d'ailleurs je vais devoir recommander du carton pour les commandes qui vont arriver derrière. Donc je remercie toutes les filles qui me passent pas mal de commandes en ce moment. Mais vous pouvez continuer à me passer des commandes, à part qu'il y a le délai s'allonge hein, là, en ce moment. Alors, le géant des beaux-arts, pourquoi j'ai commandé chez eux? Parce que, comme vous savez, d'habitude, je commande chez l'éclat de verre, voilà. Et l'éclat de verre était en rupture de stock sur presque tous ses cartons. Voilà, sur le site internet. D'ailleurs, je leur ai envoyé un email pour leur demander quand est-ce que le stock allait être remis. J'ai pas eu de réponse, donc merci l'éclat de verre au passage de ne pas avoir répondu à mon email. Toujours sympa, ça fait plaisir au passage. Donc si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais bon... j'avais même téléphoné parce qu'ils ont pas mal de boutiques disséminées, voilà, un peu partout dans la France. Donc nous, on en a une ici dans le Nord, à Lille. Donc vous me direz, j'aurais pu aller sur Lille, mais bon, je n'allais pas faire 65 bornes aller, 65 bornes retour pour aller chercher 10 plaques de carton non plus. C'est fin de mois, hein. L'essence n'est pas pour rien, ça vous le savez. Pardon. J'ai cherché un petit peu sur internet où je pouvais trouver des plaques de carton dans les prix approximatifs de l'éclat de verre, parce que c'est quand même eux les moins chers. Et bon, j'ai eu des surprises, hein. Des prix énormes. Alors j'avais vu sur Amazon, il y en avait un qui était vraiment pas cher. Il était 1 euro. La plaque, c'était 1,50€, je crois, un truc comme ça. Donc, c'était super. Mais 6,99€ de frais de port. Ouin, ouin, cherchez l'erreur. Je veux bien, mais bon, il ne faut pas se foutre du monde. À ce prix-là, bon, ben, je fais plus de cartonnage. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que bon, je suis tombée sur le géant des beaux-arts qui avait des prix à peu près disponibles. Oh, voilà, il pleut à verse. Super. Bon. Le géant des beaux-arts, c'est une société qui est dans le 67 à Saverne. Si vous connaissez. Moi, je ne connais pas, mais bon. Et donc, ils font un peu de tout, bah, tout ce qui se... Tout ce qui concerne les arts, donc le dessin, l'encadrement, tout ça. Et je vois sur la facture, justement, qu'ils ont pas mal de boutiques également. Donc, si ça vous intéresse, si vous cherchez, ils ont une boutique à Bordeaux, à Lille aussi. Bordeaux, Lille, Lyon. À Lyon, ils en ont deux.
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Paris, donc ils en ont deux à Paris, Strasbourg, ils en ont deux, à Toulouse, à Rennes, Mulhouse, Nancy, Île-de-Nantes et à Marseille. Voilà. Donc en plus de leur site internet. Et donc voilà, le seul petit souci qu'il y a chez eux, mais bon, moi ça ne me posait pas souci puisque j'avais besoin quand même de plusieurs plaques, c'est que les plaques de carton, on ne peut les commander que par 10, par épaisseur. On ne peut pas commander deux plaques comme ça, deux plaques comme ça, deux plaques comme ça, ou une seule, voilà. Donc c'est par 10. Moi, ça ne me posait pas de problème parce que de toute façon, déjà, la commande, il m'en faut 4 ou 5. Donc, voilà. Alors, le deuxième souci, c'est que les plaques étaient un tout petit peu plus petites. Mais bon. Donc là, j'ai eu des plaques. Donc, j'ai commandé du 2 mm. Elles font 50 sur 70 cm. Donc, les celles que j'ai eues à l'éclat de verre, elles font 60 sur 80. Donc, il y a 10 cm. Mais bon. Et chaque plaque fait 2,35 € pièce. Là, j'ai plus le montant. J'aurais dû vous le noter. J'ai plus le montant en tête exactement pour l'éclat de verre. Mais bon, c'est pas loin. Pardon. Alors, par contre, j'étais contente en ouvrant le paquet. Enfin, j'ai eu peur déjà en ouvrant le paquet parce que moi, j'étais à la salle de bain quand le livreur est arrivé. Il est arrivé de bonne heure. Ils ont dit entre 8 h et 11 h. Il est arrivé à 8 h 30. Donc, ça, c'est bien. C'est GLS qui livre. Et le colis n'était pas en très, très bon état. Donc, j'ai eu un peu peur. J'ai tout de suite pris des photos avant d'ouvrir le colis. Mais bon, à l'intérieur, il n'y avait rien d'abîmé, aucune plaque, donc ça, c'était bien. Et par contre, il y avait des cadeaux dedans. Donc, j'aime bien l'intention qu'ils ont mis, de mettre des petits cadeaux. Alors, je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas encore ouvert. Alors, là, c'est un échantillon, bien sûr, hein. Les cadeaux ne vont pas vous mettre le gros pot de peinture. Donc, ils m'ont mis un échantillon de peinture. Voilà, là, le truc. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas encore regardé vraiment. Ben, je vais l'ouvrir hein, pour regarder. Voilà. Alors, c'est une couleur bleue de Chine. La couleur mat. Et, oh là, c'est écrit tout petit. Alors, en français, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est écrit trop petit pour mes pauvres petits yeux. Ah, c'est un multi-support. Donc voilà, c'est une peinture que l'on peut mettre vraiment partout. Donc, bon, voilà, ça doit être une peinture acrylique, je pense. Et c'est un multi-support, c'est une peinture mate. Et voilà la couleur. Vous voyez, un bleu comme ça, bleu canard comme j'aime bien dire. Donc elle est vraiment, elle est jolie. Ah non, ils appellent ça donc bleu de Chine. Voilà. Donc j'ai eu ce petit. Ah ben, il y a peut-être des explications à l'intérieur. On va essayer de l'ouvrir sans l'arracher pour que je puisse vous donner les explications. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Imaginez une nouvelle façon de peindre, découvrez Abstract Matte. Donc, ça existe en 35 couleurs, consistante, soft body matte, couvrant, aspect velours, opaque. Voilà. Donc, ça doit être pas mal. Et là, c'est ce qui existe dans cette marque-là, donc la peinture. Il existe des liners et des encres. Voilà. On essaiera. Ben, je vous dirai ce que j'en pense, tant qu'à faire. J'essaierai. Deuxième cadeau. Donc, voilà.
J'ai eu ça. C'est une pochette de feuilles. Alors, tester la qualité. Ben voilà. Donc, il y a une feuille black, donc noire, grise. Alors, elles sont un peu plus petites que le A4. Je crois que ça doit être du A5, ça. Ne marque pas. Oui, mais je pense que ça, c'est du A5. Donc voilà, il y a quand même quelques feuilles dedans. Donc j'ai une noire, comme ça. Une grise, un peu plus fine. Donc ça, c'est un échantillon des différentes feuilles en couleur et en texture. Voilà, une plus épaisse qui doit être certainement pour l'aquarelle. Voilà, ouais, des mixed media, je crois, celle-là. Alors, là, une craie plus fine, un peu écrue, jaune écrue. Une autre blanche comme ça. Une épaisse, un peu carton, comme ceci. Et une autre très fine. Alors là, je ne sais pas si... Non, je ne pense pas que vous allez voir. Non, je ne pense pas que vous verrez. Il y a un liseré à l'intérieur. Mais là, j'essaye de faire bouger pour que vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, celle-là est très fine et il y a un liseré dedans. Et, ah, ben celle-là, par contre, elle est... c'est pareil, je sais pas si... Vous voyez, elle est brillante. Donc, elle est jolie. Voilà. Donc, voilà les cadeaux que j'ai eu avec. C'est pas mal. Je suis contente. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est une première commande ou si il y a un cadeau à chaque fois. On verra. Parce que si l'éclat de verre est toujours en rupture, ben, je recommanderai chez eux. Hein. On verra si j'ai d'autres cadeaux. Parce que là, sur la facture, ils ne parlent pas des cadeaux. Ils ne marquent rien. Ah, si, là, derrière. Voilà. Non, même pas, non. Non, non. Non, il ne parle pas des cadeaux. Par contre, sur la prochaine commande, si je veux, je peux avoir des pastels. Mais bon, il faut dépasser un certain montant de commande. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, les plaques, je vous en montre une. Hop. Voilà. Ça, je vous les ai déjà montré, hein, les plaques avec lesquelles je travaille. Voilà. Donc là, j'en ai commandé 10. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de ce site internet. Bon, ils ne savent pas, hein, que je fais une vidéo pour parler d'eux. Hein, je vous rassure, je ne fais pas de pub pour... ils ne m'ont pas demandé de faire de la pub pour eux. Hein, ils ne savent pas du tout que je vais parler d'eux dans cette vidéo. Je ne suis pas sponsorisée par eux pour avoir plus de matos, non. Mais je voulais juste en parler bah, parce que bah, j'étais un peu déçue pour par l'éclat de verre à cause du stock. Je sais qu'ils ont ils ont agrandi leur comment on appelle ça? Leur entrepôt pour avoir plus de stock pour répondre mieux aux clients. Et depuis le temps qu'ils l'ont, c'est pire. Donc voilà. Mais bon, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'ils ne me répondent pas à mon email. Voilà. Et j'avais même à téléphoner à la boutique de Lille. Hein, et à la boutique de Lille, elle m'a dit qu'eux n'avaient aucun rapport avec le site internet, que c'était complètement séparé. Le site internet et les boutiques sont complètement séparés. Donc elle ne pouvait pas me répondre. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Ben, voilà. Donc, je voulais vous parler de cette boutique. Je vous ferai prochainement... donc, là, je vais faire la commode. Je vous ferai prochainement une vidéo pour faire du cartonnage à prix réduit. Voilà. Parce que, bon... vous voyez quand même que le cartonnage, c'est un coût.
Mais je vous montrerai pour celles qui voudraient se lancer un petit peu dans le cartonnage, mais qui n'ont pas beaucoup de sous, comment elles peuvent faire. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je dois toujours vous faire la vidéo spéciale débutant. Donc je vais vous la faire également. Et je vais vous faire également, je vais vous refaire la vidéo. Certaines me l'ont demandé. Du tuto de la boîte livre. Parce que c'est vrai que le tuto de la boîte livre a été fait en live. Et bon, c'est un peu compliqué en live. Et puis quand je le fais comme ça, en filmant, comme je fais maintenant. Parce que bon, ben, en live, je parle avec vous, je réponds à ce que vous me marquez et tout. Donc c'est un peu compliqué pour vous. Comment? Être plus attentive aux explications que je donne. Voilà, je cherche mes mots, hein, aujourd'hui, mais c'est comme d'habitude, ça. Hein. Donc voilà, donc je referai une vidéo là, une vidéo, pas live, une vidéo tuto sur la boîte livre. Voilà. Je recommence à remettre des articles dans la communauté YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir les articles que j'y mets. Là, hier, j'ai fait une petite créa que je n'ai pas filmée. Vous voyez le résultat en photo. Donc me demandez pas un tuto sur ça parce que ça, je ne ferai pas de tuto puisque c'est une petite création qui va aller dans ma boutique. Donc je ne ferai pas de tuto. Puis voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la communauté. Donc quand vous êtes sur le site de YouTube, sur ma chaîne, vous regardez en haut, il est marqué accueil, vidéo, playlist, après, je ne sais plus, mais il est marqué communauté. Donc vous cliquez sur communauté et vous voyez mes articles. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis à y répondre, à liker. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Maintenant, je vais me mettre à bricoler ma commode. Et je vous fais des gros gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.